Et là, on commence à prévoir une petite erreur de la part de la pilote italienne. Un surdosage de... On ne sait pas. Ben là, on est en train de monter le futur vélo de course de Sophie, en cadre perso, pour son anniversaire. Là, on a fait. Ça fait une semaine qu'on est parti à Finale. Là, il nous reste ce week-end à Léogang, la semaine prochaine à Val di Fassa. Du coup, on lui monte un vélo couleur de l'Italie, lui faire un petit clin d'œil pour la motiver pour les prochaines courses, quoi. Maintenant, on est en train de faire la réco à pied de la spéciale 2. Et bon, c'est beaucoup, beaucoup naturel. Beaucoup de racines, beaucoup de pierres. Ça va, j'aime bien. C'est un peu les forêts comme chez moi. Donc, positif. Ça va. C'est cool. Ça fait étrange. C'est vraiment cool. Et je l'imaginais pas. C'est vraiment vraiment beau et voilà, je sais pas quoi dire sinon que merci. Non, mais là on part pour la journée de reco du coup. Donc là en Autriche à Léogang, on a 6 spéciales à reconnaître. 3 de ce côté, 3 sur la partie bike park de la DH. Et il fait beau, tout le monde est motivé, donc il n'y a plus qu'à. Bon, ça y est, petite pause déjeuner là. On a fait les 3 premières spéciales de la journée. Bon, on ne s'attendait pas vraiment à ce type de spécial. C'est raide, beaucoup de cailloux, des racines, c'est défoncé, beaucoup de trous. Ça ressemble vraiment à de la DH. Allez, Sophie, allez!
Ouais, bah du coup, on attend l'arrivée de Sophie qui, je pense, elle va pas tarder. Elle faisait la dernière spéciale sur le bike park. Donc là, les résultats, c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait. On s'attendait un petit peu mieux. C'était bike park, elle avait l'air de bien aimer au reco. Après, on sait que la course est vachement compliquée, mais ça fait partie du jeu. On va essayer de tout remettre en place pour la semaine prochaine à Val di Fassa. On est où, Irénée, là ? Bon, ici, on est dans un lieu pas très commun, effectivement, aux urgences. Heureusement, j'ai chuté après la spéciale 2 et j'ai très mal à l'épaule. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu frotté le parterre autrichien. Ouais, niveau symétrie Ouais, je suis pas au top. J'ai une épaule qui est un peu plus haute que l'autre. Soit les remontées, soit c'est l'autre qui est descendu. Et ça s'est passé comment, la première et la deuxième spéciale ? Première spéciale, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais elle était assez courte. La deuxième, j'ai réussi à mettre du rythme. C'est cool, on est une dizaine à la même seconde. Top 10, c'est quasiment dans la même seconde. Sur une spéciale 5 minutes, du coup, c'est cool. J'ai de bonnes sensations et j'étais parti pour faire une bonne journée, mais destin a décidé autrement. Et du coup, je me suis cassé la clavicule et je me suis cassé le ligament du pouce. Alors, la course s'est arrêtée plutôt prévue. Et je ne serai pas à Val di Fassa pour la round 5 des Coupes du Monde d'Enduro.